Bonjour et bienvenue sur Automoto pour essayer le Hyundai Nexo, le SUV à hydrogène de la marque coréenne. Alors il s'agit d'un SUV deux roues motrices, hein, c'est une traction. Il fait 4,67 m de long, ce Hyundai Nexo, donc il fait à peu près la taille d'un Audi Q5. Et donc il fonctionne avec une pile à combustible, vous voyez il y a marqué Fuel Cell ici. On peut voir que Hyundai a bien travaillé le design de ce SUV avec des optiques à LED à l'avant. Vous voyez cette barre de LED, très sympa, anti-brouillard, bien intégré. Ici, on peut voir les jantes en alliage avec des pneus en coupe. On est sur des jantes de 19 pouces. C'est en série, hein. Tout est en série, comme toujours sur les Hyundai. Ici, vous voyez qu'on a des caméras sur les rétroviseurs intégrés. À l'arrière, des optiques à LED également. Un petit becquet avec feu stop intégré. Et une couleur gris mat, fort sympathique. Donc extérieurement, comme ça, il n'a rien à envier au SUV de référence premium. Très belle allure. Voici la fameuse pile à combustible. Donc c'est un système qui va mélanger de l'air et de l'hydrogène. Ça va faire une réaction chimique. Cette réaction chimique va faire de l'électricité pour alimenter le moteur électrique qui se trouve en dessous. Mais également, ça va produire de l'eau. Et l'eau, eh bien, sera rejetée par l'échappement. Et on a deux circuits de refroidissement liquide, un pour la pile, un pour le moteur. Regardons le coffre, qui offre un volume de 461 litres, ce qui est correct hein, pour un SUV familial. Il est assez profond, assez large. En revanche, il n'est pas très haut. Pourquoi ? Parce que en dessous, eh bien, on trouve les bonbonnes et une batterie tampon. On va regarder ça de plus près. Sous le coffre, eh bien, on trouve les bonbonnes d'hydrogène, donc c'est l'hydrogène sous forme gazeuse, c'est stocké à 700 bars. On a 3 bonbonnes comme ça, 3 réservoirs pour avoir 6,33 kg de capacité. Et on a cette batterie tampon qui va aider la pile à combustible pour les démarrages, notamment quand il y a un besoin de puissance. Donc c'est une batterie au lithium-ion polymère qui fait 1,56 kWh de capacité. Aux places arrière, on a une très bonne habitabilité avec une bonne garde au toit, des sièges inclinables. On a même des sièges chauffants à l'arrière. Et vous voyez, la place centrale est exploitable, le tunnel n'est pas trop imposant. On a une prise de branchement et des rangements. Bref, on est gâté. Et vous voyez, des enceintes assez mastoc. Et à l'avant, eh bien, on dispose d'une magnifique sellerie en cuir ventilée et chauffante. Avec un maintien latéral correct, très joli dessin des sièges, réglages électriques. Installons-nous. On va mettre le contact. Donc on a une clé main libre, on peut voir ici. On peut même faire avancer son véhicule tout seul, pour le garer tout seul. Là, vous voyez, j'ai une prise USB, petit rangement. Même chose ici, un accoudoir. Donc la présentation intérieure est tout à fait correcte, avec une finition, je dirais, moyenne. Là, on a du plastique rembourré, mais tout le reste est composé de plastique rigide. Ça, ça fait un peu cheap. Ça risque de faire du bruit en roulant, d'ailleurs. On a une belle console centrale. Avec, vous voyez, le frein à main automatique. Ici, parking, drive, marche arrière, siège chauffant et ventilé. Là, on peut voir les modes de conduite. On en a deux, normal ou éco. Le système de parking automatique. Voilà les menus pour le système multimédia avec un écran tactile qui est très réactif, vous voyez, quand je fais ça. Et je dirais des fonctionnalités faciles d'accès, un menu assez intuitif. Voilà, on fait comme ça, on peut choisir tout ce qu'on veut. Donc on a toutes les informations sur le fonctionnement de la pile à combustible. Donc vous voyez ici, vous avez votre moteur, votre pile qui est au-dessus, les réservoirs d'hydrogène et la batterie tampon. En conduite éco, bah, vous avez toutes les courbes que vous voulez. Et là, vous voyez, on peut contrôler la température de fonctionnement des bonbonnes, la pression et le réservoir. On a toutes les aides à la conduite active. Ici, on a la jauge à carburant, H2, et puis ici, la température de fonctionnement. Et nous voici en ville avec notre Nexo. Qui se comporte eh bien, comme un véhicule électrique, puisque c'est un véhicule électrique, rappelons-le. On peut modifier son frein moteur, comme ça. Voilà. Il est un petit peu moins prononcé que sur un véhicule électrique, mais voilà, on peut le modifier.
Et on peut même se signaler auprès des piétons avec le bouton VESS. Ça fait un petit vuuu comme sur une Zoé pour alerter les piétons, puisqu'on fait pas de bruit à l'extérieur. Alors on fait pas de bruit et on purifie l'air en ville. Là, quand je vais sur Conduite Éco, je mets contribution écologique et il m'explique que j'ai purifié l'air. Pourquoi ? Parce que la pile à combustible a besoin d'un air pur. C'est-à-dire que si vous avez un bouchon avec que des véhicules à hydrogène, eh bien, ça va participer à la purification de l'air. C'est juste magique. Et alors, ce qu'il y a de bien aussi, vous voyez, c'est que j'ai un rappel d'angle mort. Donc là, j'ai mis mon clignotant pour aller à droite, alors que je suis sur la voie de gauche, c'est pas bien. Je serai puni. Nous voilà sur voie rapide, où on a très peu de bruit. Donc comme dans une voiture électrique, évidemment, on a un peu de bruit d'air, on sent davantage les bruits d'air, mais parce qu'on n'a pas de vibration, pas de bruit moteur. On entend un petit peu les bruits de roulement aussi. Vous voyez, quand je change de revêtement, ça s'entend. Et je trouve pas que l'amortissement soit terrible sur les raccords. L'autre avantage de ce Hyundai Nexo, c'est qu'il est parfaitement équipé. Donc on a le régulateur de vitesse actif, toutes les aides à la conduite. On avait vu que j'avais même un rappel d'angle mort, une caméra d'angle mort en ville. Donc top en équipement. Puis en termes de performance sur autoroute, bah, c'est impeccable. Hein, avec 163 chevaux et 395 Nm de couple, je dirais que vous avez les performances d'un Q5 diesel de puissance équivalente, hein, à peu près. Allez, on va se faire une petite reprise de 90 à 110. Paf, pied au plancher, c'est parti. Ça y est, j'y suis. C'est pas aussi réactif qu'un véhicule électrique, puisqu'un véhicule électrique va avoir une grosse batterie, donc avec une grosse puissance. Mais c'est pas mal. À l'ordinateur de bord, je peux voir que j'ai une consommation moyenne de 1,2 kg au 100 km. Et sachant que j'ai un peu plus de 6 kg de capacité de réservoir, eh bien ça m'offre plus de 500 km d'autonomie réelle, même sur voie rapide. Donc c'est une autonomie qui est quand même supérieure à celle d'un 4x4 électrique, même d'une Tesla Model X. Allez, on va se prendre ce petit bout de route étroit et dégradé pour tester le comportement. Banzai, pied au plancher. Ça marche bien. Alors il fait 1890 kg, donc il n'est pas très léger, mais c'est pas non plus une enclume finalement. Ça reste un petit peu moins lourd qu'un 4x4 100% électrique qui va embarquer, on va dire, 90 à 100 kWh de batterie. Allez, hop, prise d'appui. Ça prend un peu de roulis. Maintenant, je dirais que c'est un comportement comparable à celui d'un bon 4x4 diesel thermique. Là, vous voyez, j'ai un petit virage un peu serré en appui. Je prends les freins, je lance le truc. Bah, ça se comporte bien, l'arrière a bien suivi, ça prend un peu de roulis mais pas plus que ça. Là ça bip par contre parce que vous voyez je mords un petit peu sur la ligne centrale sans mettre de clignotant. Et ça freine plutôt pas mal avec un bon feeling au niveau de la pédale. C'est pas comme sur certaines voitures hybrides. Là on a tout de suite de l'attaque avec une bonne progressivité. Vous voyez une courbe un peu appuyée. Franchement, c'est bien en équilibre. Je m'attendais à quelque chose de plus lourdeau et plus sous-vireur. En tarif, on est à 80 000 euros. Donc c'est cher dans l'absolu, certes, mais pour un véhicule à hydrogène tout équipé comme ça, avec une technologie unique en son genre et très aboutie visiblement, bah c'est pas cher du tout. Et nous voici à Loges-en-Josas pour faire le plein de notre Hyundai Nexo. Et donc ben, on fait un plein aussi vite qu'avec une voiture thermique, c'est le gros avantage de l'hydrogène. On va envoyer, voyez, de l'hydrogène sous forme gazeuse à 700 bars via cette trappe à carburant. On utilise une carte magnétique, c'est dommage de ne pas avoir de lecteur de carte bleue, c'est exactement le même défaut sur les bornes de recharge électrique. Et ici, vous voyez le prix du kilo, 12 euros le kilo, donc ça nous fait un plein à plus de 75 euros sur notre modèle d'essai, puisqu'on a 6,33 kg de capacité. Ce qui est très cher, mais en même temps, c'est les débuts d'une nouvelle technologie. Quand ce carburant se démocratisera, eh bien, il sera moins cher. Donc c'est très pratique. Maintenant, sur le plan écologique, ça ne me semble pas forcément très judicieux.
Pourquoi ? Bah parce qu'un véhicule électrique est beaucoup plus simple de conception, il n'a qu'un moteur et des batteries, alors que là on a bien vu qu'on avait à la fois un moteur électrique, une batterie, plus des bonbonnes, plus la pile à combustible. Donc la technologie est plus complexe. Qui dit technologie plus complexe dit aussi technologie moins écologique. Et puis le carburant, bah, il faut le produire et le distribuer. Et tout ça, c'est pas terrible non plus sur le plan écologique. Donc je pense qu'il serait plus intéressant d'avoir des véhicules à hydrogène sur les camions, les bateaux, bref, les véhicules lourds qui nécessitent, on va dire, une grosse autonomie sur du long terme en attendant que les batteries au lithium-ion évoluent et soient remplacées par une nouvelle technologie de batterie. Sinon, on pourrait penser à des usines à piles à combustible pour fabriquer de l'électricité de manière propre comme cette voiture, plutôt que chaque voiture soit une usine à gaz. Maintenant, ce n'est que mon avis, donc je vous invite à faire des commentaires sous la vidéo et puis à aller lire l'article sur auto-moto.com. Ciao !